Bonjour les petits loups, aujourd'hui nous allons parler de la combustion du méthane. Nous allons expliquer en quoi il s'agit d'une transformation chimique, effectuer son bilan en toutes lettres, puis établir son équation de réaction. Enfin, nous conclurons en abordant l'aspect énergétique. Le méthane est un hydrocarbure composé d'un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène dont la combustion provoque un transfert thermique bien utile pour cuire les aliments ou se réchauffer par exemple. C'est un gaz présent dans la nature, partout où il y a de la matière en décomposition, mais également produit en grande quantité par la digestion des ruminants. C'est par ailleurs un des principaux gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Commençons par décrire cette combustion. On dispose un Erlenmeyer au-dessus de la flamme. On observe que de la buée se forme. Puis, quand on place du sulfate de cuivre anhydre dans l'Erlenmeyer, on observe que le sulfate de cuivre anhydre bleuit. On en déduit que de l'eau s'est formée lors de la combustion du méthane. On place ensuite un autre Erlenmeyer au-dessus de la flamme. Puis on y verse de l'eau de chaux limpide. On observe que l'eau de chaux se trouble. On en déduit qu'il s'est formé du dioxyde de carbone au cours de la combustion du méthane. Résumons. Du dioxyde de carbone s'est formé. De l'eau s'est formée. Finalement, deux nouvelles espèces se sont formées. La combustion du méthane est donc bien une transformation chimique. Détaillons à présent la modélisation de cette combustion. Les réactifs, le méthane et le dioxygène, sont à gauche de la flèche. Alors que le dioxyde de carbone et l'eau, les produits, sont à droite de la flèche. Cette flèche signifie « pourformer » et donc qu'il y a eu un processus chimique. Le plus dans les réactifs signifie, je vous le rappelle, « réagit avec ». Alors que le plus dans les produits a un tout autre sens, puisqu'il signifie « et ». Le bilan en toutes lettres s'écrira alors méthane plus dioxygène, flèche dioxyde de carbone plus eau, et se lira le méthane réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Avant de continuer, une petite mise en garde sur une erreur que vous faites très souvent. Ce n'est pas parce que l'on a des signes plus que l'on doit confondre avec une équation mathématique. Le signe égal a un sens précis. Il signifie que l'on a la même chose à droite et à gauche, comme par exemple lorsque l'on écrit 6 plus 4 égale 10. Ici, on n'a pas du tout la même chose à gauche et à droite, puisqu'à gauche, on a les réactifs, le méthane et le dioxygène, et à droite, on a les produits, le dioxyde de carbone et l'eau. Ce ne sont évidemment pas les mêmes molécules. On proscrira donc l'usage du égal dans les bilans en toutes lettres et les équations de réaction, et on utilisera la flèche qui indique bien qu'il y a eu un processus chimique. Ceci étant dit, établissons à présent l'équation de réaction de la combustion du méthane. Pour cela, c'est très simple, on remplace les noms par les formules en tenant compte du nombre de molécules. Il y a une molécule de méthane, donc on écrira CH4. On n'écrit jamais le chiffre 1. On compte deux molécules de dioxygène, donc on écrira 2O2. Il y a une molécule de dioxyde de carbone, donc on écrira CO2. Là encore, on n'écrit pas le chiffre 1. Enfin, on compte deux molécules d'eau, donc on écrira 2H2O. Alors finissons sur l'aspect énergétique de ce qu'il se passe lors de cette combustion, et tout d'abord, revenons à l'expérience. Si l'on place un thermomètre dans la flamme, on constate que la température augmente. On en déduit qu'il y a un transfert thermique lors de la combustion du méthane. Mais comment expliquer ce transfert? Pour cela, regardons d'un peu plus près. Des liaisons sont rompues et des nouvelles liaisons sont formées. Autrement dit, les atomes se réorganisent pour former de nouvelles molécules, dans notre cas, l'eau et le dioxyde de carbone.
C'est donc une partie de l'énergie chimique contenue dans les réactifs et permettant la cohésion des atomes dans ces réactifs qui est transférée au milieu extérieur sous forme thermique. La chaleur ainsi dégagée permet de se réchauffer, cuire des aliments si le combustible est du bois, du charbon ou du méthane par exemple, ou même à une voiture d'avancée si le combustible est l'essence que l'on y a mise.